Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Camara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, très matinal, oui, je pense que le sujet est important. Et d'ailleurs, pourquoi, en fait, ne pas se lever tôt pour parler de la Guinée, n'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Nous sommes vendredi 17 en fait, décembre 2021. J'ai donc un sujet d'information. Ce sujet d'information compose donc trois éléments. Alors, le premier élément, il est question, en fait, effectivement, de 3 mois de gestion 3 mois de gestion de la chose publique guinéenne par la transition. Le bilan est satisfaisant, très positif, cher compte guinéen. Le deuxième élément, je parlerai de je ne sais pas s'il faut le confirmer ou non, mais j'entends qu'un comité ou un groupe donc de soutien est créé, un groupe de soutien à la transition militaire, n'est-ce pas? Pourquoi faire ce groupe en fait de transition, ou ce groupe de soutien, ou ce comité de soutien à la transition? Pourquoi faire? Le deuxième élément. Troisième élément, cher compatriote, en fait, il est question donc de sujets très polémiques. Nous avons tous suivi hier, hein, en fait, je crois que c'est officiel, l'aéroport international de Bissia, n'est-ce pas, rebaptisé l'aéroport international ou l'aéroport Ahmed Sékou Touré, n'est-ce pas, l'ancien président guinéen, disons le président, en fait, président, chef de l'État guinéen. N'est-ce pas? C'est couturé. Alors, ce sont donc les trois éléments, cher compatriote guinéen. Alors, le premier élément, je dis bien, écoutez, 3 mois déjà, la transition militaire depuis le 5 septembre, la transition 3 mois déjà, mais franchement, écoutez, en 3 mois, voilà, cette transition a été capable de faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? De taper, en fait, sur la table et faire, en fait, des grands changements et toucher même des points sensibles, n'est-ce pas? Et là, le résultat est franchement satisfaisant, le bilan est positif, cher compte. C'est clair. Alors, c'est vrai, ça se passe comme d'ailleurs nous le souhaitons. Hein? Il ne faut pas se gêner, il n'y a pas de pitié, n'est-ce pas? Il faut taper. C'est comme ça. Hein? C'est la transition. La transition, c'est pour une période bien donnée. Et la transition, c'est le passage également de cette situation de mal-gouvernance, n'est-ce pas? À une situation de gouvernance, disons, transparente, de gouvernance respirable, de gouvernance, en fait, qui travaille pour la nation. C'est cela la transition doit faire, n'est-ce pas? Qui reste donc l'intermédiaire entre donc ces deux situations diamétralement en fait opposées, je comprends bien. Très bien. Alors, comme je le dis, par exemple, quand le pouvoir de la transition touche, par exemple, en fait, arrive à assainir ou tente d'assainir en fait les finances publiques, voilà qui est bien. C'est très bien, n'est-ce pas? Traquer les voleurs, il suffit pas seulement de les traquer, il faut les traquer, mais également qu'ils restituent tout ce qui a été volé. Les juger, et s'il faut les condamner, on les condamne. De toute façon, il faut situer les responsabilités. C'est ce qu'il faut maintenant. Il faut mettre fin, en fait, à l'impunité, cher compte guinéen. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi je dis, franchement, en 3 mois seulement, tout ça a été fait. Le bilan est très positif, encourageant. C'est vrai. Imaginez en 3 mois. Imaginez maintenant en 6 mois. Hein, avec la transition, la manière par laquelle travaille actuellement la transition militaire, le gouvernement de la transition, en 6 mois, écoutez, on se dit, bon, écoutez, franchement, beaucoup de choses, en fait, de toute façon, des choses intéressantes seront en fait faites pour la Guinée, dans l'intérêt de tout le monde, en 6 mois, en un an, par exemple. N'est-ce pas, cher compte guinéen? Alors, le gouvernement de la transition doit continuer ainsi, n'est-ce pas? Pas de politique politicienne, parce que ça ne nous arrange pas. C'est vrai, on en a connu beaucoup précédemment. Alors, ça ne nous arrange pas du tout, sinon pourrir la nation. Pas de politique politicienne, n'est-ce pas? Utiliser la politique pour le développement, utiliser la politique, disons, raisonnable, n'est-ce pas? Ou rationnelle, cher compte guinéen. Alors, ça, c'était donc le premier point. Le deuxième point de mon thème d'information ce matin. Alors, il est question, j'apprends, c'est à confirmer, n'est-ce pas? J'apprends qu'un groupe de soutien à la transition, en fait, est créé, n'est-ce pas? Un groupe, oui, un comité qui sera là pour soutenir la transition. Un groupe de soutien. Alors, mais moi, je me pose la question, mais pourquoi faire ce groupe-là? Un groupe de soutien à la transition, pourquoi faire? Sinon, de la futilité, c'est vrai. Ou bien, il y a problème de popularité autour de la transition militaire. Y a-t-il un problème de popularité? Je pense que non. La transition militaire, le coup d'État du 5 septembre, accepté presque par tous les Guinéens, par tous les partis politiques. Et ça, c'est important. Donc, il n'y a pas un problème de popularité.
N'est-ce pas? Il n'y a aucun problème de popularité autour de la transition militaire qui peut travailler tranquillement. N'est-ce pas? Avec le soutien populaire. Alors, mais pourquoi comité de soutien par-ci, par-là? N'est-ce pas? Ce n'est pas de bons souvenirs, hein, des comités de soutien. Je crois qu'il faut s'en débarrasser. Et là, la junte militaire doit d'ailleurs agir, n'est-ce pas? Et comme je pense qu'elle avait déjà décidé avant, les types de Mamaya étant, en fait, où certaines coordinations pourraient se déplacer à la présidence pour ne sais pas quel sujet, autour de quel sujet. Si ça, c'est banni, alors il faut bannir également tout comité de soutien ou groupe de soutien à la transition. Ce n'est pas bien, c'est de la futilité, cher compte. Troisième élément pour terminer, cher compte. Alors, il est question, en fait, de ce sujet, en fait, franchement, qui divise les Guinéens, c'est vrai, très sensible. La junte militaire vient donc de rebaptiser, en fait, l'aéroport international de Bessia, qui finalement s'appellera l'aéroport Ahmed Sékou Touré. N'est-ce pas? Alors, chers compatriotes guinéens, juger l'histoire ne signifie pas la nier. Juger l'histoire, critiquer l'histoire ne signifie pas la nier. Critiquer Sékou Touré ne signifie pas lui enlever ce grand rôle de l'un des fondateurs de l'État guinéen. Non, chers compatriotes guinéens. Il faut juger l'histoire. Il faut juger les hommes, en fait, disons, qui ont à un moment donné posé des actes, n'est-ce pas, dans, disons, la consolidation de l'État guinéen. On doit juger, qui ne signifie pas, écoutez, nier l'histoire, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Alors, quand la junte militaire rebaptise l'aéroport international de Bessia, qui va s'appeler finalement l'aéroport Ahmed Sékou Touré, mais cher compatriote guinéen, moi je pense là, vous savez, autour de Sékou Touré, il y a toujours, l'opinion est divisée. Il n'y a pas l'unanimité autour de la personnalité de Sékou Touré. Sékou Touré était l'un des fondateurs, pas le fondateur, mais l'un des fondateurs de l'État guinéen. N'est-ce pas? C'est vrai. Mais il ne faut pas nier aussi que cet homme-là est devenu finalement dictateur, il faut le dire. N'ayons pas la honte de le dire. Ne nous mettons pas dans ce coquillage ethnocentriste, n'est-ce pas, pour dire, bon, écoutez, ou ne sais pas, familial, parce qu'on était familier à Sékou Touré, nier cette partie de la personnalité de Sékou Touré, qui est un dictateur, pas seulement un dictateur, mais aussi sanguinaire, cher compatriote guinéen. Pourquoi? Le 3 avril, quand les militaires, avec l'ancien Nakonté, ont pris le pouvoir, ils sont allés ouvrir, en fait, les portes du Cambor. Pour quelle raison? Pourtant, au temps de Sékou Touré, ces gens-là ont dit, disons comme ça, entre guillemets, ils ont été jugés, en fait, et condamnés. Mais pourquoi, d'un coup, il y a coup d'état militaire, on libère tous ces gens-là? Et nous avons tous suivi les témoignages de ces gens qui étaient, en fait, emprisonnés. Beaucoup sont morts dedans, chers compatriotes guinéens, des innocents. Sékou Touré était dictateur, mais aussi sanguinaire. Mais vous voulez qu'on ne parle pas de cela? Vous voulez aujourd'hui, quand on rebaptise l'aéroport international de Bessia, Ahmed Sékou Touré, écoutez, qu'il n'y ait pas de polémique, chers compatriotes guinéens. En Russie, je donne un exemple, en Russie, parlons de Staline, l'un des grands dictateurs, je peux dire, sur le plan mondial, Staline, le Russe, n'est-ce pas? Mais écoutez, le sujet est polémique. Le sujet, c'est presque tabou. Il suffit qu'on mette, qu'on tente de rebaptiser une rue ou une gare, disons, de la capitale Staline, mais c'est des polémiques, et il y a division, ça critique. Mais c'est normal. Staline était plutôt un dictateur, un grand dictateur. Et c'est normal que ça soulève, en fait, également des polémiques. La même chose en Guinée. Alors, on veut que quand on parle de Sékou Touré, alors là, il n'y a pas un transbestia, maintenant, c'est maintenant Ahmed Sékou Touré, alors que personne ne parle. S'il vous plaît, Sékou Touré, on n'est pas parfait, c'est vrai. Mais Sékou Touré, l'un des fondateurs de l'État guinéen, mais aussi un grand dictateur, pendant 26 ans, dictateur, il massacrait les citoyens et beaucoup d'innocents, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Qu'on n'en parle pas, il faut en parler. Alors, ce que moi je demande à la junte militaire, n'est-ce pas? Alors, écoutez, ce qui est important ici, c'est la transition, qui a un rôle à jouer de refondre l'État guinéen, c'est vrai. Ce cas concernant Sékou Touré, concernant l'aéroport, alors ce n'est pas si grave pour pouvoir compromettre, en fait, la marche de la transition, c'est vrai, ce n'est pas si grave. Mais écoutez, c'est quand même, je trouve bizarre, n'est-ce pas? Je trouve bizarre. Alors, il est plutôt normal que la junte militaire essaye de se déterminer sur des sujets, franchement, je dirais, beaucoup plus importants maintenant. Je ne dis pas que le sujet sur Sékou Touré n'est pas important, mais est-ce le moment d'en débattre?
N'est-ce pas? Est-ce le moment d'en débattre? Je prends le cas, par exemple, de Burkina Faso. Burkina Faso, ce pays s'appelait avant Haute-Volta. Haute-Volta, du français, Haute-Volta. Alors, quand Thomas Sankara, il y a eu coup d'état militaire avec Thomas Sankara, alors, quand Thomas Sankara est arrivé au pouvoir avec son groupe de militaires, la junte militaire, ils ont rebaptisé le pays, qui s'appelait Haute-Volta, finalement est devenu Burkina Faso. Mais cela n'a jamais divisé les Burkinabés, parce que, écoutez, c'est rationnel. Haute-Volta s'est imposé par le colonisateur, par la France, cher compatriote guinéen. Burkina Faso, il n'y a pas eu de division de l'opinion, unanimité, tout le monde accepte, c'est pas le problème. Et ça passe. Mais il y a des sujets qu'il ne faut pas toucher. Le cas Sékou Touré, ce n'est pas unanime. Ça divise, chers compatriotes guinéens, de la transition militaire. Ça divise. Est-ce le moment d'en parler? Non. Je crois que peut-être la junte, ce que la junte militaire peut faire, et c'est ce qu'elle doit faire d'ailleurs, refondre l'État guinéen, mettre les bases solides qui pourraient permettre demain, dans une assemblée nationale, permettre aux députés, en fait, dans l'indépendance totale, aux députés de débattre ce sujet-là, n'est-ce pas? Ce sujet, ce Sékou Touré, l'aéroport international Sékou Touré, tantôt, ce sujet, n'est-ce pas? S'il faut rebaptiser l'aéroport international de Bessia Sékou Touré, ça doit être débattu dans une assemblée nationale, entre les députés dans l'indépendance totale. Et pour que cela soit possible demain, c'est ce que la junte militaire doit faire aujourd'hui, poser ces bases-là, mais pas se déterminer tout de suite sur le sujet de façon catégorique. Non, c'est une erreur, cher compatriote guinéen. C'est une grosse erreur. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je répète, juger l'histoire, juger Sékou Touré, ou juger l'histoire ne signifie pas, en fait, nier l'histoire. Juger, critiquer Sékou Touré ne signifie pas lui enlever ce grand privilège de l'un des fondateurs en fait de l'État guinéen. Non, cher compatriote guinéen, vous vous trompez. Voilà, c'était Nabil et camarades de Public Sénat. Merci pour l'écoute et bon vendredi.